Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez peut-être remarqué quelques petits changements par rapport au décor habituel. Et les plus anciens, mais normalement tout le monde, se souvient de ce décor qui a pas mal changé, on va pas se mentir. C'est devenu un dressing, les mecs. C'est devenu, ouais, c'est devenu le bordel ici, hein. Le vestiaire, il y a plus de lumière et tout, les mecs. Et ouais, les mecs, je travaille plus trop à la maison, plus du tout. Grand bien m'en fasse. Et du coup, aujourd'hui, les mecs, il y a des packs, il faut que je les ouvre. Ma parole, il faut que je les ouvre. Puisque bah, j'ai déjà commencé, j'ai fait une vidéo où je les ouvre. Les packs ultimes, 1 pour 2. Bah, là, c'est les packs à 100 000. C'est le dernier pack opening que je fais sur cet événement. Et pour moi, bah, ça fait du bien. Des packs en promo, des vrais packs en promo, ça fait vraiment du bien. Parce que là, pour le coup, j'ai mis de l'argent dans le jeu. Voilà, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mis 1 euro dans ce jeu. Et je l'aimais parce que je sais que pour cette fois-ci, je trouve que ça vaut le coup. Alors, je vous dis pas de mettre des sous. Vraiment, en réalité, ça vaut jamais le coup de mettre de l'argent dans ce jeu. Mais moi, en tant que youtubeur qui fait des vidéos, tout ça, en tant qu'addict à la pacomanie, on va appeler comme ça, bah, je trouve que c'est certainement, s'il faut mettre de l'argent à un moment dans l'année, au lieu de le mettre dans la toutie, tout ça, autant le mettre là parce que c'est un peu plus rentable que les autres moments de l'année. Mais voilà, dans tous les cas, mettez pas d'argent dans ce jeu, s'il vous plaît. C'est mon conseil. Moi, les gars, c'est vrai, j'ai une petite addiction. Hier soir, j'étais au casino. Vous voyez, les jeux d'argent, je suis un peu accro et faites vraiment pas pareil que moi. Bref, les mecs, il en faut pour tout le monde dans la vie. J'aime ça, t'aimes pas si. Bref, on s'en bat les couilles, ok? On va ouvrir des packs, les mecs. Donc, des packs à 100 000. Déjà, regardez, j'ai 135 000 crédits qui dépassent. Premier pack de la vidéo. J'ai même pas regardé à combien de pourcentage de chance. Genre, il y a pas des trucs bizarres dans mon décor. J'ai pas envie que vous voyez des trucs qu'il fallait pas voir. Premier pack, pas d'animation les mecs. On passe directement au prochain pack pour la vidéo, tu sais, c'est cuté, ça va vite quoi. En tout cas, cet overlay Ifi eSports en noir et blanc, je sais pas ce que vous en pensez, il est pas mal. Et je vous dis ça les mecs parce que ça y est, la chaîne Twitch Ifi eSports avec tous les streamers de la Ifi eSports, donc Rapsou, Sneaky pour ceux que vous connaissez, Neo et Mimi pour Call of Duty, pour ceux qui connaissent pas, on a aussi une team Call of Duty. Et maintenant, on a également une team Rocket League, les mecs. Donc, ils sont tous sur la chaîne de stream Ifi-du-bas eSports, avec un S, bien sûr, à la fin. Sur Twitch, les mecs, ils streament tous, toute la semaine, une fois, dans un créneau par semaine. Et nous aussi, on stream. Donc, voilà, les mecs, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch Ifi eSports. Et on fait un back-to-back, le même gardien. Je sais même, Pacheco, certainement. Gaïta, rien à voir, voilà. Pacheco, il joue en Espagne, je pense. Pas à Crystal Palace. On sent un truc, là. On sent de la joie. De la joie, ouais, de la joie. De la joie. Ok, c'est un Conmebol ball, c'est ça? BU. Olympia. Je sais pas si c'est... Adebayor. Bah si, ça peut être Adebayor. Adebayor, les mecs. Ah, je suis content d'avoir Adebayor, les mecs, parce que bah, c'est un joueur que je connais. Il n'y en a pas beaucoup que je connais en Conmebol. Il n'y en a pas beaucoup que je connais, mais Emmanuel Adebayor, les mecs, forcément que je connais. Je sais pas si ça cache des grosses cartes. Ça peut cacher des grosses cartes, ce type de carte. Pas vraiment, non, mais en tout cas, Adebayor, ça coûte combien Adebayor? Ça coûte pas cher, hein. Je me doutais vu les statistiques. Il a quand même un joli 95 en physique, les mecs. Hein. C'est pas mal. Allez, je le sens bien. Celui d'avant, j'ai dit je le sentais bien, j'ai vraiment eu du pot. Alors pourquoi pas le sentir bien encore une fois? C'est une icône ou pas? C'est pas une icône. Aubameyang, les mecs, Aubameyang, c'est une bonne carte de paquet. Aubameyang, on va pas se le cacher, c'est cool. Si on peut avoir des Aubameyang dans tous les packs, c'est mieux, parce qu'on a beaucoup de packs sans animation. C'est pas incroyable, Aubameyang, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de te dire. C'est mieux de rien avoir, clairement. Aubameyang, il est tout seul. Aubameyang, il est avec Donnarumma et Gaïta. Gaïta, c'est quoi, la quatrième fois qu'on le pack déjà? Oh, ça va vite. Pour le moment, c'est pas un investissement rentable. Mais bon, il y a les packs en doublon, on sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Je les ouvrirai pas aujourd'hui, mais on sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, ce qui peut se cacher. Allez, 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 ça va finir par tomber, gros. J'ouvre tellement de packs à 100 000 que c'est impossible de rien avoir de lourd de toute la vidéo. C'est impossible. Alors ça c'est Boostanim ou c'est Conmebol? Je crois que c'est Boostanim espagnol, défenseur latéral goal. De Chelsea les mecs. C'est Marcos Alonso. Toujours, les boosts on n'en veut pas, hein. Les boosts clairement on n'en veut pas. Cette semaine on a rien à battre des boosts. Fernandez quand même derrière, Torres, Sissoko, Biglia. La merde encore une fois. Bon, écoutez, je n'ose pas que c'est une technique de merde, je vais pas vous mentir. Mais des fois et souvent, je l'ai fait cette année, j'ai eu vraiment beaucoup de chance quand je l'ai fait. Mais je le fais qu'une fois, hein, pas deux.
pourra peut-être le faire deux fois. Je vais voir, il y a qui? Italien. Ah, ça va être. Ah, Bonucci ou Barza. Bonucci ou Chiellini. Ce sera Chiellini. Oh là là, tout le temps, tu dis un truc, Griezmann, Benzema. Tu dis Griezmann, c'est Benzema qui tombe. Chiellini, c'est Bonucci qui tombe. Toujours, c'est comme ça. Putain, mais c'est grave. Franchement, c'est grave. Allez, allez, mon petit. Allez, mon petit. Angleterre, Harry Kane. AD Sterling, je pense que c'est mieux en termes de prix. Sterling, avec Aubameyang, c'est la deuxième grosse carte régulière compacte dans ce pack opening avec Sterling. Oh, c'est pas incroyable, bro. Je crois plus. J'y crois plus à ce que je peux avoir un gros truc. Là, c'est Conmebol français DG, je ne sais pas qui ça peut être. Quoi? C'est un MOTM de Vichy? Non, Kolo Dzieciak. Je le sens, c'est le bon pack. C'est le bon pack, pas du tout. Allez, une icône pour me remonter le moral. Conmebol, Carlos Tevez, Argentine. Pays-Bas, MOTM, AD, Feyenoord, Bergu. C'est ça? Non, rien. Si, c'est ça. Berguis. Bon, c'est un MOTM qui a plus de 84 de gènes. Donc, animé. Mais voilà. Les tarots, ça doit pas être incroyable, encore une fois, j'imagine, pour Berguis. Ouais, exactement. C'est bien ce que je me disais. Animation boost. C'est même pas Carvaral, je passe. Ça m'a saoulé d'avoir Zapata personnellement. Oh! Cristiano! Let's go! Putain! C'est la troisième fois qu'on le parle déjà cette année, non? Troisième fois? Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Yeah. Bah non, la première fois que je l'ai paqué, j'ai directement vu drapeau portugais, BU, Cristiano Ronaldo. Alors, c'est moins la folie que si je le pack en début d'année quand il vaut 2 millions de crédits comme moi. Je l'avais packé au bout de 20 minutes sur FIFA 20 quand même. C'est quand même agréable de packer Cricri. C'est très agréable même. Allez hop. C'est dans la boîte. Du coup, justement, à cette période-là de l'année, combien il vaut Cristiano? Il vaut quand même dans les 500 000 crédits les mecs. Donc, je vous rappelle que je vais dépenser quasiment 1 million de crédits. En plus des 24 000 points FIFA dans ce pack opening. Donc déjà, je vais récupérer pas mal tous les joueurs que je pourrais vendre et tout. Donc déjà, il y a les 500 000 de CR7. Ça veut dire qu'en crédit, je vais peut-être retourner à ma case départ. Bon, certes, je vais pas faire de bénéf en termes de crédit. Mais par contre, faut pas oublier tous les packs que j'avais, quoi. Enfin, tous les packs que j'ai en doublon et que j'ouvrirai tôt ou tard. Et peut-être qu'ils vont me rapporter bien plus de crédit que ce que j'avais à la base. En tout cas, CR7, un plaisir, frérot, de te revoir dans mon club. Grand, grand plaisir. Bienvenue à toi. Et voilà, c'est tout. Let's go. Merci CR7. Ah bah, c'était le dernier pack que j'ai ouvert. C'était le tout dernier pack. Je pourrais pas en ouvrir d'autres. Mais du coup, j'ai 51 packs, les mecs, dans ma boutique. 51 packs. Donc une majorité de packs à 100 000. Quelques packs ultimes, j'ai ouvert sur l'appli la dernière fois. Et quelques packs à 50 000 crédits, les mecs. Ce qui fait qu'on pourra faire un énorme pack opening. Un jour où, voilà, je vais vraiment être hype par les équipes spéciales qu'il y a eu et tout. Dans ce pack opening, honnêtement, franchement, c'était pas un pack opening de fou. Jusqu'à ce qu'on touche CR7, c'est magnifique d'avoir CR7 dans un pack opening sur FIFA 20. Bah franchement, les mecs, j'espère que ce pack opening vous a plu, honnêtement. Il était pas incroyable, le pack opening, en lui-même, sur la globalité. Sauf qu'on a un pack qui rattrape tout, et ça fait plaisir, sachant que CR7, c'est déjà la troisième fois que je le pack cette année. C'est un joueur que j'ai packé. Je sais pas, l'année dernière j'ai fait un best-of quand tu packes Cristiano Ronaldo, tellement de fois je l'ai packé dans FIFA. C'est un joueur qui me suit. Après les mecs, il y a une part de chance forcément, mais il y a aussi une part que je suis un mec, j'ouvre vraiment énormément de packs. Donc avoir de la chance, c'est logique quand tu ouvres beaucoup de packs. En tout cas, ça sauve mon pack opening aujourd'hui. J'étais un peu triste, dépité, j'ai vraiment été surpris quand j'ai eu CR7. Voilà, c'est cool les mecs. Maintenant, j'espère vraiment qu'on va réussir à repartir avec beaucoup plus de crédits, mais vraiment beaucoup plus de crédits que ce que j'avais à l'origine dans cette vidéo. Donc 1,2 million je crois, ou un peu moins. J'aurai ouvert les 51 packs qui me restent. Vraiment, quand j'aurai ouvert tous ces packs, j'espère qu'on sera à 2, 3, 4 millions, sachant qu'on aura revendu tous les joueurs qu'on a dans le club. Voilà les mecs. Et cet event où t'as un pack acheté, un pack offert, ben voilà, ça au moins c'est des vraies promotions. On est d'accord, c'est pas... Chaque année, c'est dans la...
ce soit des vrais packs en promo, bah moi, voilà, ça j'aime. Honnêtement, c'est un de mes moments préférés quand chaque année. Là, normalement, c'était au Nouvel An chinois qu'ils le faisaient. T'ouvres un pack, t'as le deuxième pack dans le pack, t'as capté. Donc t'as deux packs pour un, tout simplement. Voilà, ça c'est des vraies promotions. C'est pas comme quand ils disent pack en promo, un pack à 100 000, il coûte tout le temps 100 000. Là, le pack il coûte 100 000, mais c'est un vrai pack en promo, t'en as un deuxième dedans. C'est comme s'il revenait à 50 000. Bon, t'as capté. Bref, les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime pour ce gros pack opening. Ciao, l'équipe.